Bonjour, je m'appelle Félix Nguyen, je suis un radioncologue au Centre hospitalier de l'Université de Montréal, puis je suis ici avec mes collègues docteur Fillion ici, docteur Lambert, on commence toujours avec les femmes, et docteur Balivi ici présent. Puis une des questions que je pensais qu'on pouvait aborder dans cette capsule, c'est ça m'arrive souvent d'avoir des proches qui m'appellent, qui me disent j'ai un diagnostic de cancer, ou il y a quelqu'un qui est très proche de moi qui a un diagnostic de cancer. Est-ce que tu peux m'aider? Puis qu'est-ce que je devrais faire? C'est sûr que une des premières choses qui me vient à l'esprit, c'est j'aimerais ça trouver quelqu'un ou un centre hospitalier qui traite ce genre de cancer-là, parce que tous les cancers sont différents, qui a une bonne réputation, qui est relativement efficace. Qui est accessible pour le patient en termes de rapidité puis d'efficience. Je me demandais si vous autres, c'était un peu les mêmes préoccupations, puis si oui, ben, comment que vous abordez ça, comment concrètement on s'y prendrait? Écoute, moi, ça m'est jamais arrivé concrètement, mais c'est sûr qu'une des premières choses, je pense que ça serait comme toi, de penser à un endroit. Moi, si je me mets à la place d'un patient, ce que j'aimerais, ça serait me sentir pris en charge par une équipe. Puis là, je parle un peu par déformation professionnelle, mais c'est sûr que maintenant, les cancers, souvent, ça implique différentes spécialités médicales, ça peut être la chirurgie, ça peut être la radiothérapie, ça peut être la chimiothérapie. Et moi, je sentirais en tout cas rassuré si je pouvais avoir tous ces traitements-là au même endroit, t'sais, me sentir pris en charge là, par une équipe où il y a ces différentes spécialités médicales-là et que j'aurais pas à voyager là, d'un hôpital à l'autre. Donc, je pense que ça serait un élément là, que je regarderais pour aider, essayer de guider les gens. Mais moi, en fait, je pense que ça comprend un peu ce que vous dites. C'est l'expertise de l'endroit, des professionnels qui sont là. Ils s'y entraident beaucoup, tout ça. Mais aussi, l'équipe, s'il y a une équipe multidisciplinaire avec ça, avec d'autres professionnels. Nous, on a toujours besoin de l'aide de nutritionnistes, d'orthophonistes, de psychologues. Puis, par exemple, la travailleuse sociale, là, surtout. Quand les patients sont très inquiets de comment ils vont se rendre, le stationnement, comment ils vont planifier leur vie autour du cancer, en fait, du traitement de leur cancer. Fait que ça prend vraiment toute une équipe, puis ça, c'est vraiment une ressource, je pense, indispensable faudrait que cette équipe-là aille aussi. Moi, ce serait ça que je regarderais aussi. Ouais. Ben, en fait, je pense que vous avez bien fait le tour de la question, là. Donc, je pense que se sentir entouré par une équipe d'expertise, puis ça, on peut s'informer auprès de relations qu'on connaît, des gens qui ont déjà été traités, aller voir sur Internet dans des sites qui apparaissent fiables, là. Puis, des fois, juste un marqueur indicatif pour un centre qui fait beaucoup de cliniques, qui traite de façon régulière là, des types de traitements. Il y a une façon de voir aussi avec la recherche. Je pense qu'il y a une portion de recherche. Si les gens publient, je pense que la clinique et la recherche vont un peu ensemble. Puis ça démontre aussi une équipe qui est passionnée et tout ça. Donc, moi, si j'étais un patient, je regarderais ça aussi. Puis, c'est sûr que le traitement de radiothérapie, en fait, se donne une fois. Donc, on veut avoir un traitement qui, comme tu dis, est efficace, donné de façon sécuritaire. Puis, je crois qu'un des marqueurs les plus importants, c'est qu'il faut y aller aussi avec notre sentiment puis notre feeling en tant que patient. Quand tu as confiance en ton équipe, que tu as réponse à tes questions, puis le patient le sent, ça va toujours mieux. Donc ça aussi, je pense que nonobstant tout ce que vous avez dit qui est très intéressant puis important, il y a cet aspect-là aussi qui est important. C'est super intéressant là, ce que tu dis là, trouver des indices, des marqueurs qui fait en sorte que tu as l'impression que l'institution traite énormément ce type de pathologie-là, qui fait en sorte qu'ils sont vraiment habitués puis bon. Hein, c'est comme j'imagine
Si on rénove notre cuisine, on aimerait ça que ça soit quelqu'un qui en a déjà fait dans le passé puis qui en fait régulièrement. Là. As-tu d'autres indices comme ça, toi, Olivier, qui te passe à l'esprit ou Louise, qui pourrait guider le patient? Mais moi, en fait, ça reprendrait peut-être un petit peu ce qu'Edith a mentionné, là, c'est savoir que le patient a confiance en nous, qu'il y a une accessibilité. Quand il y a une question, parce que souvent, quand on les voit en consultation, là, ça va vite, on leur dit plein d'informations, là, ils arrivent chez eux, puis là, c'est oh, OK, j'ai oublié de poser telle question. D'avoir quelqu'un à qui ils peuvent facilement rejoindre, qu'on va les recontacter, qu'on va pouvoir rediscuter des questions. Je pense que ça remet en confiance. C'est ça, c'est vraiment le soutien là, à la base pour que après ça, eux aussi, le patient, ça ait le temps de donner son maximum. Puis qu'ils sentent que l'équipe est là, on va donner notre 110%, eux autres aussi. Puis, tu sais, quand il y a des délais, tu parlais de délais aussi, de déficience, tout ça, d'être sûr qu'en fait, qu'on veut toujours avoir le moins de délais possible pour obtenir tel ou tel examen. C'est sûr que des fois, on peut pas toujours, mais je pense que c'est poussé dans ce sens-là, puis s'ils le sentent, ça fait qu'ils ont confiance en nous, puis c'est ce que je chercherais, moi, en fait. Mais je pense aussi qu'en termes d'indicateurs, bien, il y a Internet maintenant, on peut regarder la recherche et tout ça, on peut voir aussi les recommandations de certains membres de l'équipe médicale et tout ça. Puis je pense que ça se demande aussi quand tu es devant ton médecin, bien, on peut poser des questions comme patient puis dire, ben est-ce que vous avez des cliniques où vous discutez en groupe avec tous les professionnels de la santé des cas? Est-ce que les cas sont revisés? Combien vous en faites par année? Avez-vous de l'expérience et tout ça? Puis je pense que comme médecin, ben c'est sûr qu'on va donner réponse aux questions du patient. Puis je pense que le patient doit être proactif. C'est son traitement, c'est vers sa guérison. Donc, il faut prendre en charge notre traitement, puis être satisfait avec les réponses. Je pense que c'est ça le plus important, puis c'est vers ça qu'on doit viser. Ben, je rajouterais juste, ça me fait penser, on peut donner le conseil aux patients de poser des questions, de ne pas avoir peur de poser des questions, que ce soit sur le cancer, sur les traitements. Je pense qu'il n'y a pas de mauvaises questions, puis faut pas être gêné même de poser des questions, à savoir demander à son médecin de famille ou à son chirurgien qui nous a annoncé le diagnostic de cancer, ben à votre connaissance, là, ça serait à quel endroit je devrais aller pour les traitements. Je pense que... Je pense que le cancer, ça va être un des éléments qui va bouleverser la vie du patient, probablement un des plus importants, là. Ils ont droit à choisir en toute connaissance de cause. J'espère que cette capsule vous a été utile. Merci.